Salut, bienvenue sur Pas Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sens que je vais encore avoir un coup de fil de mon banquier. Pourquoi? Puisque je vais refaire chauffer ma carte bleue. Le premier repas de la journée, c'est le plus important, c'est bien sûr le petit déjeuner. Et donc du coup, aujourd'hui, on va tester un déjeuner peu cher, un moyenne gamme et un très très cher, bien évidemment. On s'est tous demandé ce que c'est un petit déj dans un palace. Eh ben, on va découvrir ça ensemble. Mais on commence tout de suite par le petit déjeuner le moins cher. Et pour ça, quoi de mieux que d'aller dans un fast-food. Donc c'est parti, on y va. Voilà. Merci. Eh bien, voilà le premier petit déjeuner que je vais manger ce matin. Alors, je trouve ça abusé puisque c'est quand même assez cher pour ce que c'est. J'ai payé 3,50 pour un petit café et pour un petit pain. Donc le croissant, c'est un croissant McDo, un McCafé. Mais pourtant, franchement, visuellement, il a l'air pas mal. Et le café, c'est basique. Donc là, vraiment, c'est le petit déjeuner, c'est le strict minimum. Donc, découvrons ça ensemble. Verdict sur ce croissant. Il est un peu sec, hein. Quand je tourne ces vidéos, je sais que je commence toujours avec un truc basique et que ça monte crescendo. Donc j'ai déjà hâte d'être après. Mais en tout cas, bon voilà. Le croissant, je lui mets un petit 6 sur 10. Goûtons au café. Je sais qu'ils font du bon café quand même. Correct. Le croissant aussi. Voilà. On a eu un plateau avec des schtroumpfs. En tout cas, maintenant c'est parti. Nous passons au restaurant suivant. Alors, nouveau lieu, nouveau restaurant. Tu sens qu'on monte en gamme parce que la carte fait plaisir à voir. On est sur un petit déjeuner à 10,50€. Et pour ça, on va avoir quoi? Un café ou du thé, un croissant, du pain grillé avec du beurre, de la confiture et un jus de fruits frais. On va voir ce que ça vaut. Bon, vous me connaissez, on m'a proposé un jus de fruits pressé pour 1€ de plus. On passe à 11,50€. Mais bon, un jus de fruits pressé, c'est toujours meilleur. Ça y est, ça arrive. Merci. Déjà, l'odeur du croissant me donne envie de dévorer tout ce qu'il y a sur cette table. Je vais également recevoir du pain grillé. Le croissant bien gonflé, aéré. On va déguster, c'est parti. Bien toasté, regardez-moi ça. Ah, waouh. Et il sent super bon. Bon, allez, c'est parti, on attaque le festin. Petit jus d'orange maison. Franchement, le jus d'orange pressé maison, là tu sais que quand t'as du jus d'orange pressé et qu'il est maison, ben c'est que t'es dans un bon endroit. Ça commence par ça, ensuite on va tester le croissant, c'est parti. Le croissant est bon, un bon goût de beurre, pas trop sec. Je ne connaissais pas ce format pour le beurre. Si on m'avait dit qu'un jour je me filmerais en train de faire une tartine. Wow. Le pain fait tout. Je passe un beau moment, hein, je vous le dis. Mais j'arrive même pas à imaginer ce que je vais manger après. Parce qu'un petit déjeuner à 100€, ça va être incroyable. Là, je vais finir tout ça. Et puis, on passe à la suite. Palace, lieu d'exception et... Non. Aujourd'hui, plus sérieusement, on va prendre le petit déjeuner au Plaza Athénée. Ça va être quelque chose. Donc c'est parti, je vous emmène. On va découvrir ça ensemble. Allez. C'est juste entre vous et moi. Vous ok, avez... très bien. Tu sais, t'imagines le truc de ouf, ils te sortent un café avec la tête de ton visage dessus ou un truc complètement ouf. Pour l'instant, on n'a rien commandé et on a déjà tout ça. Je ne sais même pas combien ça a coûté. Je pense que ça a coûté extrêmement cher. Regardez-moi ça, c'est clairement magnifique. Porridge ou céréales ou jambon fermier cuit maison ou salade de fruits. Ah, je prends une salade de fruits. Après, il y a œuf nature ou garni cuit selon votre choix. Brouillé au plat.
à la coque, poché ou en omelette. C'est abusé, il y a absolument tout. Deux garnitures au choix, supplément de 6€ pour la troisième garniture, exactement. Et douceur, pancakes, pas perdu, gaufres ou crêpes. Ah, pancakes, hein. Bon, on va prendre un américain au poids. Je vais goûter le jus, c'est une création. Fruits rouges, pamplemousse apparemment. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est juste un jus. Mais déjà ça, ça prend le contexte. Tu te prends une claque, tu t'assois. C'est comme l'addition après, ça va me calmer direct. Tu voulais aussi un céréal, un bol de céréales. Oui. Un petit muesli croquant ou... Il est excellent. D'accord. Est-ce que vous avez la possibilité de me faire un pancake? Un pancake, bien sûr, oui. Exactement. Avec un petit peu de sirop d'érable à côté. Parfait. Très bonne dégustation. Merci. Merci. Merci, messieurs. Mec, j'avais deviné ce qui allait se passer. Je me suis dit, ils vont quand même pas nous faire un café avec notre visage dessus. Mec, ils l'ont fait. C'est un truc de ouf. Merci, Le Plaza. Si vous regardez cette vidéo, merci, vous êtes des ouf. Mec, c'est n'importe quoi. Wow, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon, faisons dans l'ordre. Yaourt, thé, muesli, salade de fruits frais, un petit couglouf, une petite brioche, plein de croissants, différents beurres, du jus de fruits, un café avec ma tête dessus, tout va bien, plein de confiture. C'est juste ouf. Bon, on va déguster. On a testé les croissants déjà. Sont bien le beurre, hein, je peux vous le dire. C'est le meilleur. Moi, je suis en train de penser à vous, je suis sûr que vous avez faim devant cette vidéo. Non. Goûtons ce petit pancake. Wow. Il est bien épais et on voit dans la pâte des petites graines qui, je suppose, sont des graines de vanille. Tout est bon à la perfection. À la fois léger, gourmand, c'est une tuerie. Le pancakes, c'était dans le top 3 des pancakes que j'ai mangé. Sachant que le premier, bon, en toute modestie, c'est quand même ma recette. En cuisine, c'est toujours meilleur. Je vous donnerai ma recette, elle est en bas en description. Extrêmement cher, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons produits et c'est des produits d'exception qu'on a là. Le service dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles ou même dans les palaces, c'est des gens qui sont passionnés, professionnels et qui vont tout vous expliquer sur tout. Ils vont vous donner les détails, l'explication, l'histoire qu'il y a derrière chaque produit. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un service de cette qualité là. Vous servir un petit peu de lait sur les céréales. Parce que moi, je suis plutôt partie de la team de je mets le lait avant, mais bon. Comment ça peut être aussi bon? C'est une spécialité à l'ancienne. Du coup, Glop. Et il a l'air d'être oufissime. En vrai, c'est pas le coup Glop traditionnel parce que normalement, les amandes sont entières sur le dessus, mais oh. C'est impressionnant. Mais finalement. En Alsace, on est meilleurs pour les couglops. C'est magnifique, hein, franchement. Regardez-moi ça. Confiture de framboise, probablement. Tout est super léger. C'est aéré, c'est moelleux, fondant. Et on a une confiture qui, je pense, est maison. C'est quoi? On m'a servi du pain de campagne bio. Abusé. Wow. Ce qui me marque le plus, c'est que toutes les odeurs sont beaucoup plus fortes, mais dans le bon sens. Non, là j'abandonne. C'est trop pour moi. Je pense que j'ai dû faire 299 fois cette table. Au moins 8000. On va manger tout ça, on se retrouve pour le début. Voilà, quelle vidéo, c'était magnifique. Trois petits déjeuners, un bon café, bref, passons le premier. Les deux suivants étaient très intéressants. Un moyen de gamme plutôt sympa, je me rappelle, le jus d'orange était très très bon. Mais bon, ce que je vais retenir, moi, c'est ce petit déjeuner au Plaza Athénée. C'était... Tout était bon, avec du goût, c'était délicieux, le service était à la perfection. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, moi, je vous invite à m'écrire là, maintenant, tout de suite,
que vous voulez voir pour la prochaine fois. Parce que du coup, moi cette série, bon, elle coûte cher, mais elle me fait plaisir parce que honnêtement, on goûte des trucs de folie. Si vous souhaitez voir un autre épisode, n'hésitez pas tout de suite, là maintenant, à liker cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tu vas en bas, tu cliques sur le bouton rouge, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche, comme ça tu ne louperas aucune vidéo. Il y a plein de trucs lourds qui arrivent, je vous dis à très vite et sur ce, bye bye.